Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur A Way Out. On est toujours en compagnie de Propax, on continue l'aventure, c'est parti. Emily's a great pilot. She was practically born on a plane. C'est parti pour l'avion. Noise. Long time no see, Vincent. How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. En fait, toi, tu connais personne, mon gars. Moi, j'ai que des diplômes maspot. Okay. Mec, je suis banquier. Je suis pas dans, dans les trafics, moi. Je sais pas. Au lieu de faire un braquage, j'aurais pu nous présenter un pote riche. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je connais des mecs qui ont de l'argent, tu vois. Mexico? Toi, excuse-moi, quoi. Ok, tu connais des gens qui peuvent servir dans notre. Dans notre périple actuel, mais après. Mais non, c'est ton pote en fait. Ah bon? Ouais. Je croyais que c'était ta pote à toi. Je rends rien après. Je sais pas, je te parle, je lis entre les lignes. Where are you going? Where do you think? Mexico. Bah, c'est parti, hein. On peut pas piloter nous. C'est pas le Mexique, c'est l'Amazonie là. Non mais please, c'est Mexique ça, tu reconnais pas? Mais on l'a pas tué? Non, on l'a laissé sur le doigt. Attends, c'est lequel tu as? Ah oui, non, c'est celui qui a parlé, ok. Oui. J'ai confondu avec le tueur. Je vais mettre une balle. Ah, il est équipé en lourd lui aussi hein. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan, dime jefe, necesitamos más hombres. Ya, dale. Titaca. Necesitamos más hombres. Pero qué pasa? No preguntes tanto, hazlo nomás. Chao, ahí va de ahí. Boom. Un petit flash. Ah non, juste le mec qui tombe, OK. Voilà, c'est là où on s'équipe. C'est maintenant l'avion. Tu vois, je t'ai dit, c'était là l'avion. Je te l'avais dit. Non, tu m'avais dit que c'était tout à l'heure quand on était à l'aéroport. Bah, c'est pareil, je t'ai dit qu'on irait au Mexique. Oui, bah oui, c'est bon. Who is this Emily, really? Don't even ask. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. Oh, on aura de la jungle et tout, ça va être trop bien. On va se battre contre des raptors et tout. Ça va être ouf. Là, ça va être le petit jeu arc en fait au milieu, tu vois. Ça va être trop bien. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hello, Vincent. You crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. Ah. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right on va faire un choix, tu crois? Well, technically, you're right. Come on. C'est un choix à faire, c'est ça? Mec, on prend quoi comme choix? Comme tu veux. En vrai, franchement, les deux ont l'air méga stylés. Parce que soit on va être genre avec des parachutes et du coup ça va être assez stylé le petit passage parachute. Soit on va être dans une jungle et je suis sûr qu'il y aura des trucs style des animaux et tout, tu vois, genre des difficultés, tu vois. En vrai, les deux peuvent être méga stylés. Je te laisse choisir. Son atterrissage, c'est ton style à toi, donc on va forcément bourriner, tu vois. Ça va forcément être du bourrinage. Bon, peut-être parachute, ça peut être un truc qui change un peu. Vas-y. Mais honnêtement, les deux, je pense qu'ils sont stylés. Oh, tu vois, c'est le genre de situation où je referais bien le jeu juste pour voir l'autre passage, ce que ça fait, tu vois. Parce que l'autre passage doit être assez sympa aussi, je pense. C'est pour ça qu'il faudrait faire le jeu deux fois en fait pour voir vraiment tous les passages possibles quoi. Enfin refaire le jeu une fois du coup. Faire deux fois en tout. Whatever, just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Sinon ça va pas être compliqué à mon avis, mais ça va être fun. Sorry, that's just it's coming with. Just get it on the plane, okay? Le mec il bégaye et tout, il a trop la pression mec. En même temps, moi je t'y saute pas IRL, mec, en parachute. C'est une boîte de conserve là, genre. Fermer le robinet de carburant, trouver le journal de bord d'Emily, ouvrir les portes du hangar. Bon, le robinet c'est ici.
J'ai le journal. Here it is. I'll just give it to Emily. Tu viens, Propax? Non, je voulais. Porte. Je vais te mettre la misère. Allez, viens. Non, ça va être un truc comme Nidog, tu vas me défoncer. Viens, 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 viens. Non, en vrai, ça a l'air d'être un jeu trop stylé, mec. Je crois que c'est Ark, hein. Vas-y, on va t'amener un Bronto. Viens, viens, viens. T'imagines par contre, genre le côté RP de la situation, genre là, Train nous dit bon, vous pouvez m'aider et tout, on y va, et les mecs, oh, attends, on va se faire une partie là. Deux secondes, deux secondes. Attends, espace sauté. Hein? Attends, mais quoi? Oh, c'est chaud, moi je suis mauvais là-dessus, c'est trop sensible. C'est sensible de ouf, mec! J'y arriverai jamais. Non! GG. C'est pas trop chaud, gros. C'est chaud de ouf, mec. Faut avoir vraiment 7 points là. C'est trop chaud! Nice. Putain! Je comprends R à la physique, j'ai sauté, ça a pas envoyé. Shit. Mais putain, mais c'est mal fait, je saute, ça va. Le TF4, ce jeu de merde, putain. Ouais, t'inquiète, j'ai plus qu'un point à mettre. Hein. What? Allez, vas-y, crève. Ça va, j'ai un peu d'avance. T'as pas le droit d'erreur, là. Voilà. Vas-y, on rejoue. Non, non, non. Je t'ai mis une warlée, je t'ai mis une warlée. Pourquoi je perds tout le temps? Mais putain! Elle est où mon arme que je défonce ce truc là? Oh, je peux faire des trous, ça te rappelle quelque chose ça ou pas? Ça te rappelle quelque chose le trou ou pas? Oui, oui, oui. Ah, bah, tu sais faire hein, tu l'as bossé à la prison hein. Comme quoi ça forme à la prison. Moi je fais un peu de muscu. Mais c'est tellement drôle en vrai, ça sert tellement à rien de faire tout ça, mais c'est trop drôle. Qu'on perd tout le temps qu'on a perdu dans le jeu juste à faire les trucs inutiles. Ouais, mais c'est fun, c'est marrant. Oh, des fléchettes. Oh, vas-y, ça va, je vais te défoncer, mec. Well, it works. Holy crap. Vas-y. Vas-y, c'est pour où ça fait le plus de points. Bah au milieu j'imagine. Non, il y a un truc bah, avec... en haut avec le 20 tu vois après sinon. Mais attends, tu peux zoomer là. Bah clic droit quoi. Eh mec, j'ai pas zoomé moi. Mais ça changerait hein, la sensibilité la même genre. Ouais, ça c'est un triple 20 en fait, après t'as le double 20, c'est tout en haut. Mais après, vraiment le milieu, ça fait bien plus. Ah ouais? Bah vraiment le centre... Je suis pas sûr que ça fasse 60 ans. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Yep, I'm the best. Ouais, non, c'est 50. Ouais, du coup, c'est le triple 20, alors le mieux. Je sais pas, j'ai toujours été mauvais aux fléchettes. J'en ai en plus chez moi, mais... Avec bim, je t'éken. Attends, j'en refais.
J'avais peur qu'on pouvait zoomer. Moi. Non, non, t'as perdu. Mec, on a pas refait le jeu de l'audio, on refait pas ça. On refait l'audio alors. Vas-y, c'est zoomé plus pour toi. Là. Non, en vrai, je vais perdre là-dessus. C'est trop chaud. Ça trempe de ouf. Tu sais que j'avais battu aux dernières fléchettes par contre. Parce qu'on avait déjà fait. Hein. On avait fait l'arrache. Mais vas-y, non, j'étais sur le double 20, triple 20. Ah, c'est déjà mort en vrai, avec le 20 là c'est mort. Non, c'est pas mort en vrai, si tu fais. Ah, mais si, c'est mort. Mais mec, toi, il tremblait pas autant que moi. Hein. C'est juste que moi je compensais avec ma souris. Moi je peux pas compenser, bon, vas-y, ça me saoule. Et vas-y, let's go, donne-lui le journal. Ah oui, je peux monter quand même. Et retour au début. Ah, du coup, on doit toucher la fin. Parce qu'on va aller au Mexique pour le tuer. Et il doit pas rester énormément de choses, je pense. Ouais. Enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. You should write her a letter. What? Look. I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda. So I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance. You know? I'm just saying that writing a letter really helped. You know? I mean, it's up to you. I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know. Anyways, look, I'm just saying it was a good thing. That's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah, I mean, it was just an idea. It's just... Anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Bon, tout ça pour ça, mec, hein. En vrai... Bon, t'es prêt pour le saut en parachute? Premier arrivé en bas. Tu sais, genre les mecs qui mettent la compétition dans tout. Arrivé en bas, on ouvre pas le parachute. Hein. C'est trop ça. Mais j'avoue que là pour coup, autant les autres choix. Vas-y, vas-y. Ouais. Non, vas-y. J'ai dire, autant les autres choix, je m'en fous un peu. Autant celui-là, j'aurais vraiment aimé voir quand même aussi la jaune. Ouais. On va voir ce que c'était, tu vois. On va se donner la main en plus. Non. Ah non. Oh shit. Je suis dans l'eau moi. Mec, faut aller vers le point. Mec, on a l'habitude avec Fortnite et tout ça. Sur Fortnite, hein. Bah ouais, la même mec. On va retail. Faut tirer quand sur la poignée? Bah, je tente dernier moment, moi. On peut pas. Let's go! Sauvez Léo! A droite! Oui, mais j'arrive! C'est beaucoup trop droit! J'en pleure, mec! J'en pleure! Je crois que je t'ai pas sauvé.
t'as gagné, t'es arrivé en premier. Prends pas que t'as gagné, GG. Je dirais que tu peux l'ouvrir maintenant. J'en peux plus. T'imagines dans la vraie vie le mec qui est en mode bon, c'est bon, t'as gagné là. Moi je joue pas à ce point là. Bon, du coup, je vais te follow. Hein. Non, mais je vais l'ouvrir, t'inquiète. Ah, mais tu pourras pas, je pense que c'était scénarisé que tu le perdes et non, c'est non, à moi d'arriver plus tôt. Ah ouais? Genre, tu l'as... c'est juste parce qu'il est ouvert trop tard en fait, tu l'as perdu? Ouais. Enfin, t'as pas l'air plus doué que tout à l'heure là. On est pas loin, viens. Mais ça, c'est qu'en fait, tout à l'heure, tu l'as ouvert trop tard et du coup, j'avais pas le temps de t'aider, je pense, c'est ça en fait. Là, t'essayes de l'ouvrir plus tôt, c'est ça? Hein? Propax? Ouais. C'est toi qui l'as ouvert là ce coup-ci. Ouais. C'est pour ça tout à l'heure, j'avais pas le temps. Oh mec, comment tu t'accroches? Bah, mec, avec le. La violence du parachute, mec. Bah là. Oh, je te lâche ap. J'en peux plus de te voir là. Mec, je vais jamais réussir à aller là-bas en fait là. On va tomber à côté hein. Bah c'est bien parce qu'on va pouvoir faire la jungle en même temps je pense. J'espère que ça va pas recommencer là. Non ça va. On va se prendre la falaise putain. Non mais c'est bon, on va être à côté, on va pouvoir y aller je pense. Y'a pas le bruit comme quand on recommence là. En fait, on a repris l'âme, ils nous ont remis un endroit plus simple en fait. Oh, plus simple, on est aussi loin. Bah ouais, mais je vois pas ce que je peux faire de plus en fait. Mec, je vais tout droit quoi, genre. Je regarde en haut pour remonter un peu. Je sais pas. Souffle, mec, souffle. Mec, j'ai aucune touche de toute façon, genre, j'ai pas. C'est relou d'avoir la même conversation qu'avant. Ouais. Mais en même temps, ils peuvent pas faire 10 000 conversations si t'as des bureaux qui arrivent pas à se poser quoi. Ou qui arrivent pas à casser des toilettes par les exemple. Les gars, alors vous avez une idée pour le 20ème scénar au cas où s'il se fait 20 fois. Ah là, c'est bon, mec, je suis juste à côté, ça va le faire. Bah, je sais pas. Ah, faut peut-être pas que je sois dans un arbre, remarque. Mec, c'est propre là où je suis, non? Même pas qu'on... Mais putain! Mais mec! Tu veux pas me laisser conduire là? Ah bah, je veux bien, mais on peut pas. Mais mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Genre, j'appuie sur Z, je vais en face. Bah, je sais pas, je vois pas le... ce que t'as. Mais j'ai sur rien. Shift, j'sais pas, y'a rien de marqué sur... en fait. Y'a absolument rien de marqué, j'ai rien à faire. Mec, c'est une cinématique qui se fail toute seule en gros. C'est un peu ça. Ça me saoule là! Non, mais en vrai, il fail là-dessus, c'est pas possible. C'est ridicule. En vrai, je reviens dans une heure quand on aura réussi. Je sais pas, je regarde au plus haut, j'appuie sur Shift et sur Z en même temps là mec. Je peux pas faire mieux là hein. Bah regarde, son angle il change pas. Donc regarde en bas quoi. Non. Bah ouais, bah pourtant j'avance, hein. J'appuie sur Shift et tout. Hein. J'appuie sur Space et tout en même temps mec. T'as peut-être clic gauche, clic droit, non je sais pas. Ah, y'a un truc qui s'est passé là, je sais pas, t'as fait quoi? Droite. Alors, faut que je fasse des droites gauche? Je sais pas. Encore sur Ken, hein? Mais oui, mais c'est sûr. Bon, on arrête le jeu. Ah, mais peut-être faut que je fasse comme ça, tu sais. Oh! Lol. Oh, j'ai géré de ouf! En fait, ça, il fallait juste que je sois pas dans un arbre, je pense. Que je sois sur le chemin et ça suffisait, tu vois. J'avais pas besoin d'aller jusqu'au point.
En fait, moi je voulais faire le parachute pour aller dans la jungle, pour faire la jungle aussi, tu vois. C'est tout, ils avaient pas compris. Je voulais juste faire les deux, moi. Bon, c'est bon, on a nos armes là par contre. Hein. Ah, j'aime bien cette vue aussi. You think Harvey still got the diamond? I do. What makes you so sure about that? I don't know, a gut feeling, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlong. Sur la course. I still don't get how the hell you pull that off. J'ai l'habitude maintenant. Well, I'm actually good at what I do. C'est bien quand je te monte dessus, cochon. N'oublie pas que j'ai une MP5 dans le dos. Bah moi j'ai... Ouais bah toi tu loupes ta balle mec, t'es pas bien du tout parce que moi je peux en louper quelques-unes. Hein. Nice, on va puter déjà. Mec, je prends la K direct. Je pense qu'on pourra ramasser les armes en plus. Je pense pas. Mais putain, mais... Je voulais voir si je vais one-shotter dans la tête, mec. La tête, ça one-shot pas, c'est bugué. Faut vraiment bourriner, en fait, c'est fait exprès. Laisse-moi ce proche, là. Je pensais que je pouvais one-shotter, j'étais en plein dans la tête du premier mec. Tu l'as eu? Là c'est parfait pour moi, bon, je les touche de loin. Bah ouais, mais moi au début en fait j'ai tiré une balle dans la tête pour voir justement les dégâts que ça allait faire. Je me suis dit, même si c'est un MP5 tu vois une balle dans la tête. Non non, c'est vraiment fait pour bourriner. Donc on va bourriner mec. Ça va être ça tout le long là, hein. Ça va être des fights constamment je pense. Mais non, on va faire ça discretos, viens essayer discretos, non. Ouais ouais. Splinter Cell mec. Vas-y, on fait discretos là. Oui, on fait discretos mec. Okay. Ça, il va mettre une rafale dès qu'il va avoir un mec là. Bah, j'ai une MP5, comment tu veux que je joue? Je peux pas. Ah, moi j'aime bien son arme à lui. Il était pas discret lui, par contre je pourrais pas le jouer avec mon arme. J'aurais peut-être dû prendre la M4 finalement. Je pense que c'est pas fait pour un jeu. C'est un peu comme la lampe à la prison, genre si je sais pour un esquive. Il est où au pire, je le casse. Mec, j'aime pas trop ta vue là. Tu voyais d'une couleur un peu spéciale, je pense que c'était pas ouf. Bon, reste là où t'es, au pire, je m'en occupe. Non, pour l'instant, il me tire dessus. Je peux pas l'avoir. Non, mais c'est fait exprès, je pense. Ouf. What? Je peux pas sortir par là, mais à l'échelle. Je peux le prendre? Ah! Allez! Mais non! Quel bâtard! What? Mais vas-y, mais. L'autre il a le rôle trop stylé du jeu quoi! Ah, tu les vois tomber devant toi mec! Ah, faudra trop que je regarde ton écran! Ah, ton écran il est trop stylé, on les voit tomber devant toi mec! Je vois ma balle passer, genre il tombe devant toi, c'est kiffant de ouf! Bon, par contre, c'est assez chaud de viser quand je regarde ton écran, mais. Genre, je me mets dessus, je regarde ton écran, ensuite je tire à chaque fois. C'est toi ça. Ah, ils sont là. Putain, mec, je ma jalousie quoi. Bah oui, mais tu m'étonnes, c'est trop bien. Putain, c'est chiant, ça ouest pas moi. Mais gros, mais. Je l'ai fait décoller. Regarde-le l'autre, regarde-le vite fait, lui tire pas dessus, je veux juste voir. Ah, c'est trop drôle. C'est trop bien ça. Mais des fois leur corps ils volent de ouf. Reste planqué, t'inquiète, je m'en occupe. Ah
should be all of them. C'est bon, il y en a plus. Ah, c'était trop bien, mec. Et je dis, c'est trop kiffant en fait de regarder tant l'écran quand il tombe. C'est ça que je kiffe. C'est bon, tu es de loin, tu vois des petits bonhommes qui tombent, c'est pas ouf. Mais toi, ça fait vraiment le sniper qui te sauve la vie, tu sais, tu fais tous les mecs tomber devant toi. C'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, je t'ai sauvé la vie. Genre, t'es déjà là. Ouais, je t'ai sauvé la vie de ouf. Looks like we're not using this bridge. Qu'est-ce que tu fais toi? Moi je peux pas descendre. Hey Leo, come here. Là, j'ai plus mon sniper, hein, désolé. Tu l'as encore là? Ben non, ce que je dis, je l'ai plus. Discret ou. Attends! Oui, discret, discret, discret. Je suis discret là. Toi à couvert! Oh, j'avais pas vu cela! Au secours! Arrête! Je peux pas sortir! J'ai pris cher. Faut que je monte de l'autre côté, mec. Mec, 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 t'es chaud. Il y en a des deux côtés, mets-toi à cover. Faut que je tue celui-là, après je sais. Ouais, t'as mis une chair à travers le mur, c'est vrai. Ah ouais, on peut casser le mur, mec. C'est bon, je l'ai eu à travers. Let's go through the gate, hurry up. On va les tuer, je crois. Bah voilà. Juste toquer, je pense. Ouais, faut toquer. Bah vas-y, toque.